Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce premier épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. J'espère que vous allez bien, que vous êtes ravis, tout comme moi, de prendre ou de reprendre ou de découvrir ou de redécouvrir cette aventure, ce jeu incroyable qui est sorti sur GameCube en 2002. Ça va faire 20 ans l'année prochaine que ce jeu aura été publié pour la première fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été republié en 2013 en HD. Et donc ça va quand même faire un bon paquet d'années. Hein. Presque 10 ans. Ça fait plus de 8 ans que le jeu est sorti. Putain, je pensais pas. Hein. 8 ans. 8 ans. Waouh. Et j'ai fait le jeu à sa sortie. Je l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. J'avais jamais joué sur GameCube. J'ai fait ce jeu qu'une seule fois, quand il est sorti en 2013. Et du coup, je m'en rappelle plus vraiment. Alors, je joue sur Wii U. Voyez, à l'époque, en 2013. Ah, j'ai refait une partie en 2017. Vous voyez, je m'en rappelais même plus. Mais vous voyez, je l'ai terminé en 2013, novembre 2013. Et je l'ai repris 4 ans plus tard. Et 4 ans plus tard, j'y rejoue. Comme quoi. Alors, on va s'appeler Link, évidemment. Alors, j'ai le Wii Gamepad, vous ne pouvez pas le voir. Mais j'ai écrit le nom sur le Gamepad. Ok, commencez. Je me rappelais plus que j'avais refait le jeu. Il est une histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes. Il y a bien longtemps, existait un royaume où l'on disait cacher les pouvoirs des dieux. Ouais. C'était une province splendide, verdoyante et fertile. Mais un beau jour, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume et il déroba les pouvoirs des dieux. Ces forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres. Alors que le sort du royaume semblait scellé, un jeune homme, tout de vert vêtu, surgit de nulle part. Il brandit son épée magique, fit taire l'être maléfique, et ramena la lumière dans la province. Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps pour lui ramener la lumière, le héros du temps. L'histoire du jeune homme se transmit de génération en génération jusqu'à devenir une légende. Quand un jour, un nouveau malheur s'abattit sur le royaume. L'être maléfique que le héros semblait avoir réduit au silence ressurgit soudainement du plus profond de la terre. Le peuple voulut croire que le héros viendrait à nouveau à son secours. Mais le héros ne reparut point. Patatras. Et face aux forces maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière. Et ça marche pas beaucoup. Il remit donc son destin entre les mains des dieux. Bien évidemment, et nul ne sait ce qu'il advint du royaume. Eh oui. Si aucun souvenir de la province ne demeure, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Et dans une petite île, on continue de fêter le jour où les garçons atteignent les 12 ans
en leur faisant revêtir un habit vert. Le cœur frais comme le vent des prairies, ils font alors siffler leurs lames comme en un tourbillon pour briser les ténèbres. Et ils prient pour montrer dans leur jeunesse autant de courage que le héros de la légende. C'est bien sûr la légende du héros du temps, d'Ocarina of Time, mais dans la timeline dans laquelle il est reparti dans le passé, et donc celle originale en fait. Grand frère! Ce qui est trop bien, c'est de rejouer ça après Skyward Sword HD. Grand frère! Et du coup, c'est pour ça, le monstre est réapparu, mais nous, il n'y avait plus la lignée puisqu'il est parti. Le monstre Ganondorf, quoi. C'est nous! Grand frère! Le seul jeu où il a une famille, d'ailleurs. Enfin, une famille, il a une sœur, quoi. Qu'on connaît, en tout cas. Bah, elle est où? Yeah. Ah, évidemment, tu étais là. Et si, c'est vrai, moi aussi, j'aime bien admirer la vue d'ici. Dis, grand frère, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tout, tout. Hé, tu dors encore, toi. Tu n'as pas oublié, quand même. C'est ton anniversaire, aujourd'hui. Ah bah oui. Et ça fait un bon moment que mémé t'attend à la maison. Franchement. Il est avec sa grand-mère. Mais on sait pas où sont ses parents. Heureusement que je suis venu te chercher. Allez, rentre vite à la maison voir mémé. C'est incroyable. Je lâche. Allez. Plaf. Nageons. Nageons, nageons, nageons. Alors, y a rien d'intéressant sur le gamepad, hein. C'est juste pour les objets, mais... Tat, tat, tat. Ah, des rubis. Hop, 5 rubis. Il y en a combien? C'est 10. Allez. Aya. Aya. Tchac. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu un cochon sauvage, je viens de voir un cochon sauvage. Il est là, un cochon noir. Tu ne l'as pas vu? Ça tombe bien, ma femme voudrait. Venez de me dire qu'il voulait avoir un animal à la maison. Prêt, Link? On ne peut pas approcher comme ça les cochons sauvages, ils sont très craintifs. Il va pour t'accroupir, puis. En rampant tout doucement avec elle. Tout doucement, sinon je peux aussi les attirer avec la nourriture. La version rapide a l'air de fonctionner aussi. Hein. Tiens. Comme je t'ai jeté le cochon sauvage. Mais c'est dégueulasse, fais pas ça toi. Tiens Link, joyeux anniversaire. Mais tu n'as pas vu ta petite sœur Ariel? Il paraît que ta grand-mère te cherche. Tiens, oui, au fait, l'autre jour, Ariel me voyait porter un vase et elle disait qu'elle aimerait bien apprendre, elle aussi, à emporter pour aider votre grand-mère. Alors, si tu la vois, dis-lui que pour porter un vase, il faut se placer devant le vase, appuie sur A, pour le soulever. Oui. Super. Et tu... Et dis, ta mémé, elle t'appelle. Et maman aussi, elle t'appelle. Super. Bah, dis à ton chien de se moucher. Papa, la porte est beaucoup trop grande. C'est la même musique dans Skyward Sword. Skyward Sword qui est sorti après, évidemment. C'est Impa. Pas du tout. Impa du tout. Link, je t'attendais. Tiens, Link. Veux-tu bien essayer ces vêtements?
Comme le temps passe vite, tu as bien grandi, mon enfant. Tu as déjà en âge de revêtir ses habits. Pa 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 pa. La tenue du héros. Sa tenue semble bien épaisse. Ne fais pas cette tête-là, essaie-les donc. Je suis sûr qu'ils tireront très bien. J'adore comme c'est à chaque fois normal qu'il le montre à la caméra. Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende. Ce jour se fête, tu dois au moins porter ses vêtements aujourd'hui. Autrefois, ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte, se préparer à affronter les méchants en leur enseignant le manuel de l'épée. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il n'y a dans cette île que le vieil Orko, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. La tradition que nous avons d'orner nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. Tu le savais? Mais il est magnifique dans sa petite tenue. Link, tu es superbe. Cette tenue te va comme un gant. J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire. J'ai encore un tas de choses à préparer. Je vais vous faire cette soupe dont vous raffolez tous. Vivement ce soir. Va vite appeler ta sœur Ariel, tu veux? Et le drame. Et patatras, c'est le drame. Comment ont-ils des photos? On ne sait pas. Il y a des appareils photos? Il me semble qu'il y en a un. Mais c'est magnifique, cette photo. Ariel. C'est incroyable, hein. J'adore. Parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas rejoué à ce Zelda. Hein. Honnêtement, je me rappelle plus en fait. Je sais que c'est marqué 2017, mais je suis pas certain. Je crois que j'ai dû. Mais pourtant, c'était marqué Château d'Hyrule. Donc si, j'ai dû le faire. Mais je me rappelle vraiment pas l'avoir refait en 2017. Mais c'est possible que je les ai refait tous en 2017. Même Twilight Princess. Parce que vous savez, en 2017, c'est Breath of the Wild, évidemment. Et quand j'ai fait Breath of the Wild, je me suis refait tous les Zelda, quoi. Bref. Mais je m'en rappelle vraiment plus, donc c'est cool. Te revoilà, grand frère. C'est Mémé qui t'a tricoté ça. Ah si, je me rappelle évidemment de ce qui va se passer là, mais après ça s'arrête là, quoi. Dis donc, ils m'ont l'air un peu chauds, ces vêtements. Mais ça te va très bien. Parlons de ces choses sérieuses. Tends les mains. Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire, grand frère. Pin, vous recevez la longue vue, cet objet précieux auquel votre sœur tient beaucoup. Assignez là le blablabla blablabla. Avec le Wii U Gamepad, il suffit de toucher un objet pour faire glisser votre... Très bien. Alors ça te plaît, c'est pour ça, parce que tu le mérites. Allez, essaie de regarder la maison d'ici. Attendez-vous. Ah, vous le voyez, ce que je suis en train de faire, ce que je prends pour le mettre. Ben, c'est cool, ça. Ils ont pensé à tout. Enfer, tu vois la boîte aux lettres rouge près de la maison. Mais regarde, tu vois la boîte près de la maison. Oui. Oui, je la vois. Oui, je vois. Ok, merci de... Fais une drôle de tête, facteur, tu ne trouves pas? Ah, regarde là-haut. Ah oh, ben non. Tintin. Oui, c'est Petra. Je crois qu'elle s'appelle Petra. Qui d'autre qui s'appelle Petra? Bah non, il n'y en a pas d'autre. C'était elle. Si, c'est dans Fire Emblem. Il y a une Petra dans Fire Emblem. You. Paf. Bam. Et là, c'est le coup de foudre. C'est horrible, grand frère, elle est tombée dans la forêt, il fallait lui porter secours. On ne peut pas y aller comme ça. Allez, vite. C'est une pirate. Ça va, on se pète pas les rotules, tout va bien. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est à moi d'y aller. Hein. J'ai 12 ans. D'un côté, je suis peut-être le... Non mais il y a lui par exemple, mais il tient pas debout.
Et merde. Hey Link, vise avec Zelda et appuie sur A pour en parler. Oui, c'est tout à fait ça, tu es un enfant intelligent, tu viens d'utiliser la visée, blablabla, 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 blablabla. Ah oui, cette échelle, mais quel bruit, je ne sais pas si c'est l'âge, mais depuis, j'ai du mal à voir ce qui se passe au loin. Ah ben voilà, rip. Eh bonjour, grand-père. Je ne suis pas un radis. Comme le temps passe vite, tu as déjà l'âge de porter ses vêtements. Il te faudra beaucoup de sagesse dans la vie, Link, et la connaissance est le premier pas vers la sagesse. J'ai appris beaucoup de choses au cours de ma longue vie. Tu es un enfant intelligent. J'en peux partager mon savoir avec toi avant de crever. J'ai rédigé toutes les leçons qui sont au mur. Chacune d'entre elles est profitable. Je te conseille de les lire. Bam. Ah. Rip. Rip les bocaux. Du calme, ça suffit, hein. Tu as fait tomber tout ce qui était posé sur mes étagères. Mais c'est pas moi. Ah, mon frère qui vit en bas. Il teste étudier et passe ses journées à s'agiter. En ce moment, par exemple, il s'exerce au maniement de l'épée. Peux-tu me savoir à quoi ça vient pour pouvoir lui servir? Il y a vraiment un bon cas gigoté, il n'y a rien à en tirer. Alors. Oh, ça s'affiche pas. Je vais cliquer sur A. Petite leçon, David, nul ne se connaît. Nul ne se connaît encore bien dans ces tendres années et nombre d'extravagances de se commettre. Pour devenir plus fort, connais-toi toi-même, dit le proverbe. Les trois cœurs en haut à gauche de l'écran mesurent ton énergie vitale. Bla, 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 nous sommes au courant. Poum, 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 poum. Oh, un petit cochon. Mais ce n'est pas un cochon noir. C'est un porcelet. Un cochon da-da-da-da. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Link? Tu es tout pâle, mais tu l'arrives à quelque chose? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Link? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement d'épée, c'est bien ça? Oui, et cela en 2 secondes, s'il te plaît. Bien, commençons par l'attaque horizontale. Viens vers moi et appuie sur B. Non, tu dois uniquement appuyer sur B. Ah. D'accord. Bien, mais répète le même mouvement plusieurs fois sans t'arrêter. Bon, passons à l'attaque verticale. Appuie sur ZL pour viser, puis appuie sur B. C'est ça, continue. Tac, 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 tac. Bien, ensuite le coup visé. Vise avec ZL, dirige avec L vers moi et appuie sur B. Bien, on a plusieurs coups d'affilée. Mais. Ah, mais zut. Tu dois viser, diriger L vers moi. Ah, d'accord. Vers lui. Et maintenant, l'attaque circulaire. C'est ça, encore, encore, encore. Plein de tactiques difficiles, celui de l'attaque spéciale vise avec Zadel et. Ah, pas appuyer sur A. Ah oui, c'est très difficile. Ok, bravo, encore une fois. Let's go. Parfait. Bon, maintenant, finir le saut. Sort ton épée, vise avec Zadel et appuie sur A. Encore une fois, y'a. Yeah. Belle attaque. Mais dis donc. Je sens une grande vigueur dans ta lame et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça va faire un bon usage et usage de cette épée. Tu peux la prendre, Link. Ta 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 ta. Vous recevez l'épée du héros. Tiens-la de son four avec B. Utilise-la avec sagesse par respect pour le vieil homme. Link, cette épée repousse le mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Link. Oh. C'est pas l'épée du héros. Hein. Je peux partir, c'est bon? Merci. Merci de m'avoir donné une épée. Maintenant, je vais aller chercher le bouclier chez ma grand-mère. Mémé! Mémé! Donne-moi le bouclier! Ou je te plante. Mais non, elle est adorable, sa mamie. Et Link, il est adorable aussi. Regardez comme il est pas mignon. Pop, 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 avec ses petits pas. Pop, 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 pop. Mamie, je peux prendre le bouclier, s'il te plaît. Fais tomber le bouclier. Bah non, alors. Bon. Mamie.
Annick, mais qu'est-ce que tu as dans le dos? Pourquoi as-tu besoin d'un doubleau aussi dangereux? Pourquoi une épée? S'est-il passé quelque chose? Je peux pas prendre le bouclier, sérieux? Bah merde alors. Bon bah rip. À la place de Link, tu prends le bouclier direct, non? Une épée c'est bien, mais il faut savoir se défendre aussi. Pam, 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 pam. Comment je range l'épée? J'arrive pas à ranger l'épée. Comment je range mon épée? Ah, avec A. Hop, let's go. On se barre. Et vite. Ah, mais dégage le morveux là. Là, je peux vraiment t'appeler morveux. Tata. Ah là là. Cette vaillance. Qu'est-ce qu'il me dit? Défense d'entrée, ponce soin d'un travaux, accès à la forêt interdit. Je dis non. Non, non, non. À la déforestation. C'est pas ça. Non, 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 au pont suspendu. Moi, je veux y aller. Allez, roulade. Tout droit, ex-fontaine des fées. Venez donc remplir votre bourse. C'est pas plutôt vidé. Non, pardon. Excusez-moi, c'était un petit peu déplacé. Alors, tchac à tchac, y'a rien là. Y'a que dalle. Eh bien, je peux peut-être passer quand même, non? Je vais pouvoir faire un petit saut. Et oui, il est vaillant. Let's go. On y va. Comment elle s'est plantée son t-shirt comme ça, je ne sais pas. Mais elle a amorti sa chute. Ah ben non. Il y a des bocaux bleus. Très moche d'ailleurs. Par contre, ça lag, hein. C'est un truc de fou. Lol. Ah. Check. Poum poum. Ça fait quoi, ça? Ex-fontaine des fées. On raconte qu'un jour, le héros légendaire serait venu se reposer auprès de sa fontaine après un combat. Une fée en serait sortie, elle aurait soulagé ses douleurs, la fée aurait fait un jeune homme, une destinée fructueuse. C'est pourquoi cet endroit est également appelé Fontaine de la Déesse Fructueuse. Ok. Tintin. Des piafs qui envoient des bocaux bleus. Paf, paf. Je me rappelais pas que ça allait autant. C'est scandaleux. Chaque fois que je donne un coup, ça freeze. Se réveille. Tain. Mais ne bouge pas comme une conne. Oh la quiche. Aïe. Bah évidemment, aïe. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Oui, Tétra. Ah non, c'est Tétra, c'est pas Petra. C'est Tétra. Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai eu une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc emmené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici, allons-y. Je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis Tétra, c'est qui ce gamin? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Ok, sympa. Et moi je vous suis, hein, vous êtes des pirates. Mais vous êtes gentils. Puis surtout elle est jolie la petite. Grand frère! Oh non. Mais non. Tout ça parce qu'elle est blonde, quoi.
Mais non. Grand frère! Bah elle sert à ta petite épée. Mais il est con. Hé, hey, idiot. Ah mais arrête de gigoter comme ça. Bon bah là... Là c'est très la ripitude hein. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'embarquer avec nous? Absolument. Mais tu es au courant, oui? Nous sommes des pirates. Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein? Tu peux me le dire? Et puis ton histoire ne nous regarde pas. Vous refusez de l'emmener. Eh oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là? T'as pas demandé ton avis, d'accord? Je pense simplement que si tu n'étais pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore? Écoutez, je suis facteur. Bah, mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées, pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui se sont enlevées ont comme toi, demoiselle, de grandes oreilles. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. Hein? Et puis, en plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est Link. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de t'en entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite? La forteresse maudite? Alors, que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Link ici. Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Il compte tout de même pas t'embarquer avec pour seule arme, cette épée ridicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger. Un bouclier, par exemple. Reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un, je te laisserai monter dans ton navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de si tôt, alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Bah, étant donné que ma sœur, celle qui s'est fait embarquer, c'est ma sœur, et que après j'ai que ma mamie. Mais ma mamie, elle a pas fini de préparer la soupe pour mon anniversaire. Et quel beau cadeau d'anniversaire d'ailleurs. Franchement, c'est honteux. Laissez-moi passer. Mamie. Tetra a été enlevé. Non, c'est pas Tetra. Ma sœur, je sais même pas comment elle s'appelle. Link, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, je t'en supplie. Où est Ariel? Ariel, voilà. Elle est en train de jouer dehors. Non, mais dis-le lui. Enfin. Ah, bah, y'a plus le bouclier. Tululul. Mamie, où est-ce que t'as mis le bouclier? Link, c'est ça que tu cherches? Bah oui. Oui, mamie. Emporte-le. C'est le bouclier du héros. Mais c'est pareil, évidemment, parce que clairement pas. Arrête de faire l'abruti. Ariel a donc bien été enlevée. Une enfant si jeune, pourquoi? Ne t'inquiète pas, mamie. Je vais aller la sauver. Et on va pouvoir manger la soupe que tu nous auras préparée. A bientôt, mamie. Mais surtout, reste près des villageois parce que faudrait pas que tu meurs avant qu'on revienne. Bisous. Je me casse de cette île de merde. Mais non, elle est magnifique cette petite île. Franchement. Salut. Non, mais franchement, laissez monter ce mab à bord. Encore un caprice de trap. Gamin, si tu montes à bord, sois prêt à te combattre à la pirate. Le descendre en route, les requins feront un festin. Mais je te découpe la gueule, morveux. Tu vas venir, mais je suis prêt en fait. Il n'est pas tout neuf son bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir? Bon, on verra bien. Allons-y maintenant. Tu es prêt? Oui. J'y vais. Super Mario Sunshine. Ah non. Spring. Un papin. Le vent est du mauvais côté. On se prend l'île. Bonne chance, Link. Retrouve vite Ariel. On est tellement courageux, nous. Fais bien attention à toi. C'est tout à fait logique de laisser un gosse de 12 ans y aller.
Mais c'est son frère après tout. Mamie. Mamie. Elle me voit même pas partir. Qui sait quand tu reviendras? Bah non. Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein? En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il y a encore temps. Bah non, je dois aller sauver ma sœur. T'es conne, toi. Ouais, c'est un peu tard, d'ailleurs. De toute façon, je vais pas laisser ma sœur tranquillou crever, quoi. On va s'arrêter là pour ce premier épisode de The Wind Waker HD. J'espère qu'il vous aura plu. On va faire 2 épisodes par semaine de The Wind Waker HD. Ça sortira, je pense... Alors, c'est quand? Lundi et... mercredi, peut-être? Lundi et jeudi? Non, lundi et mercredi? Non, lundi et vendredi, je pense. Un truc comme ça. Bref, 2 jours dans la semaine. C'est à 11h. Ça remplace Skyward Sword HD. Et il y a une autre série, bien évidemment, qui la remplace également. 2 épisodes de chaque. Voilà, c'était un petit peu tout. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.